finaliste malheureux de la Coupe du Monde en Russie, Luka Modric a des envies d'ailleurs. Après six belles saisons au Real Madrid, le milieu de terrain croate pourrait bien poursuivre sa carrière du côté de l'Inter Milan, qui aurait tort de ne pas tenter sa chance à fond. C'est l'heure des grands changements au Real Madrid. Après avoir réussi un triplé improbable en Ligue des Champions dans l'ère moderne, le club de la capitale espagnole a vu Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, deux des hommes de base de ses succès, quitter la Maison Blanche. Mais le Français et le Portugais pourraient ne pas être les seuls à s'en aller. En effet, Luka Modric se rapproche lui aussi de la sortie. À 32 ans, le finaliste malheureux de la dernière Coupe du Monde, depuis le départ de CR7, le joueur le plus vieux de l'effectif. Le moment choisi pour tenter sa chance ailleurs, plus précisément du côté de l'Inter Milan. En effet, la Gazzetta dello Sport affirme que le Croate souhaite absolument rejoindre le club lombard, où évoluent déjà ses compatriotes Ivan Perisic, Marcelo Brozovic et Šimvr Šaljko. Un intérêt réciproque puisque les Nerazzurri, qui ont sembleté, ils lâchaient la piste menant à Arturo Vidal, parti au FC Barcelone, sont prêts à tout pour leur relais. À l'issue de la victoire sur l'Olympique Lyonnais, 1-0, samedi, dans le cadre de l'International Champion Q, Luciano Spalletti a affirmé que ses dirigeants travaillent d'arrache-pied sur ce dossier. Le club fait tout pour y parvenir. Je rêve autant que les fans de l'Inter, a reconnu le coach italien en conférence de presse. Il est clair qu'un joueur de ce niveau serait important pour tout le monde, et encore plus pour nous. Le club est prêt à tout, a rajouté l'ancien tacticien de la Rome. Modric a passé un pacte avec Pirès, l'Inter aurait d'ailleurs tort de ne pas pousser pour la venue du meilleur joueur du dernier mondial. En effet, toujours selon la Gazzetta dello Sport, l'ancien Spur a passé un pacte avec son président, Florentino Pirès, quelques mois auparavant, afin de s'en aller durant cette intersaison. La seule condition qui permettait à Modric de disposer d'un bon de sortie était de remporter la Ligue des Champions 2018, chose que les Morandes ont brillamment réussi. Le média italien précise que Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus Turin, avait passé un accord similaire avec le boss madrilène. Reste à savoir si ce dernier tiendra parole désormais. Modric, va-t-il rejoindre l'Inter? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace. Ajoutez un commentaire.